Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais aujourd'hui, et je fais ça rarement, une petite vidéo entre guillemets tuto sur Once Human. Je vous explique, j'ai découvert il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, comment faire de la source protoplasmique assez facilement au final. Donc j'avais regardé d'autres tutos, etc. Mais là, je vais juste vous montrer rapidement, je crois que mon stock il est là. C'est le bordel, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez, j'ai plus de 2000. Alors, je crois que j'en ai plus de 2000. Hein. Donc on va regarder tout ça. J'en ai 2450 de minerais de prototrace. D'accord. Alors ce minerai de prototrace, au départ, on pouvait le. Hop là, pardon. On pouvait l'extraire dans une. C'est ce que j'avais fait ça, ici au début. Dans une zone pardon, contaminée. On mettait. Une foreuse spéciale, alors altérance machin, on s'en fout. Donc, on pouvait mettre cette foreuse ici. Alors, je vais juste vous montrer, je vais l'inverser parce que c'est quand même plus simple. Donc, si on la mettait dans une zone contaminée, comme là, je suis ici, hop. Alors, je vais pas la mettre en route, hein, c'est pas un problème. Hop, on va juste la brancher rapidement. Hop, et hop, voilà. Et ici, quand j'allais ici. Ah bah voilà, donc logiquement il m'apparaissait. Alors est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me suis pas trompé de. On va supprimer, on va recréer, pardon. Voilà, c'est celle-là. Pardon. C'est moi qui me trompe. Bon, je vais vous montrer rapidement ce que j'avais vu dans les tutos sur ce jeu. Pof! Hein, hors de surface du territoire. Bon, on va se mettre là. Ah, mais il me pose des petits problèmes des fois de poser ça. Bon, enfin, le principe. Oh, c'est dommage ça que je puisse pas la poser. Ouais, mais ils m'ont déjà fait le coup. Ça m'a déjà fait le coup. Ça m'a déjà fait le coup. Des fois, le jeu, il bug. Alors, je crois que si je la mets là. Je pense qu'il y a un petit problème avec mon véhicule de construction. Enfin, en résultat, on la mettait sur le minette de Prototrace ici. Ouais, bah voilà, vous voyez, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et ici, on va enlever, voilà, on va y arriver. Je la pose comme ça parce que tout simplement. Et là, j'avais le prototype. On démarrait, ça durait 60 minutes, on partait, on revenait, ça marchait, ça repartait. Ça dépend aussi de vos anomalies, si elles sont bien reposées, etc. Voilà, et si elles bossent bien. Donc en gros, c'était un peu. Je les ai enlevées, c'est pour ça que je les ai enlevées, c'était un peu la galère. Maintenant. En me baladant sur la map, alors, pour fabriquer de la source, on va commencer par les choses, c'est comment j'arrive à fabriquer ça dans le fourneau, pour ceux qui savent. En fait, il faut aller dans les mimiques, ici, et il faut le raffinage de pétrole. Il faut débloquer cette compétence, ce qui va vous permettre d'utiliser le minerai protoplasmique et un mélange de carburant dans les fourneaux électriques pour produire une grande quantité de sources protoplasmiques. Donc il faut bien débloquer cette compétence pour pouvoir après retrouver ici et donc pouvoir utiliser des minerais de prototrace. Et attention, il faut du mélange de carburant. Et c'est là où ça va être la difficulté. Ensuite, bah, au début, donc j'utilisais ces fameuses foreuses. C'était pas l'extase, hein. C'était pas l'extase. Ensuite, il va falloir débloquer une deuxième recette pour vraiment que vous soyez performant. C'est que genre, non, le fruit de mer, voilà, fruit de mer à l'huile en conserve. Ça donne une chance d'obtenir un bonus de rendement de 66 à 600,6 ou 6600% sur le dernier coup en cas d'extraction minière ou d'abattage. Ce qui est le plus chiant, c'est les morilles. D'accord? Donc les morilles, vous pouvez les acheter chez un marchand, les graines de morilles, d'accord? Et il vous faut du poisson. Après, l'huile a été assez facile et l'aluminium. Donc il faut déjà être un petit peu avancé pour avoir ça. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Ça va vous permettre de booster. D'ailleurs, on va en faire une. J'en gaspille une, c'est pas grave. Maintenant, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour en fabriquer. Voilà, on va prendre ça, les fruits de mer à l'huile de conserve. Donc il faut aller pêcher, etc. Donc pas de souci. Et ensuite, en me baladant sur la map, donc moi vous voyez je suis ici à côté de Blackfield, on se déplace, c'est simple, quand vous voyez ça ici là, ce petit truc, c'est ici qu'il va falloir aller faire, en fait précisément c'est ici où il y a une forêt brûlée, d'accord, il y a une forêt brûlée ici, alors il y en a un petit peu par là, donc en fait c'est entre deux ponts,
Alors ça, c'est un pont qui est ici, le pont qui est ici. Autrement, vous pouvez vous référer sur l'ancrage de faille de l'Institut de recherche. Alors si on se met là, voilà, alterné. D'accord? Donc moi, j'ai débloqué un téléporteur qui est juste à côté et on va y aller et je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive à notre point. Donc la chose importante, c'est qu'il faut aller vers le pont qui se trouve là-bas. Alors, attendez, je vais mettre le fusil. Voilà, le pont qui se trouve là-bas, il faut aller ici. Donc ce qui est important, c'est pas prendre la route qui est en dessous, mais bien celle derrière les arbres. Et c'est ce que l'on va faire. Alors, on va mettre la culture. Voilà. Donc des fois ça se bloque. Donc ici, il y a plein de voitures abandonnées où vous pouvez récupérer de l'essence hein, si vous voulez. Donc l'important, c'est de prendre. Donc j'ai eu un petit problème sur la première vidéo. Donc là, j'ai déjà enclenché mon truc d'huître, enfin de poisson que je vous ai montré tout à l'heure. Il nous reste 24 minutes. Hop, oulé, oh. Donc on va arriver par contre, et il y a bien un masque à gaz pour la protection. Car ici, c'est. Voilà, il y a une contamination qui est loin d'être négligeable. D'ailleurs beaucoup plus forte que quand j'ai fait mes essais. Donc là on va s'arrêter. Et là on va commencer à aller chercher. Alors, vous verrez c'est des minerais tout colorés. Alors ici vu que je ne veux pas faire de combat puis il n'y a pas trop de boss, on va pas trop s'embêter. On va essayer de garder de la santé. Et ici on voit c'est ce genre de minerais ici. Et ici, vous en avez plein. Hop. Et avec mon huile, vous voyez, là, je suis en plus 8, plus 14. Donc, ça récupère du gravier aussi. Alors, il faut se balader dans cette forêt. Alors, il y en a un peu plus plus haut. Je crois qu'en plein milieu, n'a pas trop. Ah! Les arbres. On va mettre la lumière. Alors c'est vrai que j'en ai récupéré tout à l'heure. Voilà, il y en a d'autres ici. Alors suivant les mondes, vous pouvez en avoir plusieurs ou moins. Voilà, c'est la variation. Le truc qui est important, c'est de farmer avec le. Donc avec la petite recette que je vous ai montrée précédemment. Alors vous pouvez le faire, cette recette elle marche aussi pour plein d'autres, voilà il y en a là-haut, pour tous les minerais, hein. Donc si vous êtes en manque de tungstène, ça peut aller très très vite. Voilà, donc là j'ai un plus 61, donc vous voyez je suis déjà à 322, sans trop d'efforts. Alors je pense que suite à la mage, parce qu'avant moi j'avais pas ça, j'avais pas la contamination. Alors je crois qu'il y en a d'autres par là. J'ai pas vu un là-bas, non. Il y en a d'autres sous le pont. Alors là pas de chance, mais j'en ai fait tout à l'heure, donc je pense que c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner, parce qu'une fois que vous en avez plus. C'est pas un problème. On change de monde. On n'est pas comme ça. Alors voilà, j'en pousse deux ici. Hop, trois même. Regardez, hop. Mais c'est vrai que moi j'en avais trouvé vraiment beaucoup. Hop. Et regardez les mondes, ce que je monte. Voilà, plus 8, plus 13. Donc ça c'est le plus 13, etc. C'est grâce à ce que j'ai mangé. Hein. Vous voyez, je suis déjà à 400, 500. Allez, on continue. Ok, alors il y en a un autre ici. Je peux vous montrer, voilà. Allez, on le récupère. C'est déjà du plus 8 par défaut. Et suivant le coup de chance, on peut avoir beaucoup plus.
Tac. Ah bah il y a encore un autre ici par exemple. Donc on peut avoir du 600%, donc je peux vous dire que du 8 x 600%, ça peut aller très très vite. Voilà, plus 8, plus 8, plus 14. Donc c'est... Je suis un petit peu dans du pas de chance. On est revenu à peu près au point de départ. Donc il y en a à peu près par là sur la gauche. Donc je veux pas que... Voilà. Le serveur a un peu de mal là. Alors, on va en faire un exemple rapide. On va changer de monde. Donc on revient à notre téléporteur. C'est pour ça que je vous dis bien qu'il faut passer au-dessus et pas en dessous. Alors sur la map, j'ai trouvé d'autres spots aussi, mais pas aussi bien fournis. Alors il y en a peut-être ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a juste un téléporteur juste à côté, pas trop loin. Qui nous permet de faire tous les mondes, les uns après les autres. Je n'en ai pas trouvé dans le coin ici, hein, je n'ai pas trop cherché non plus. Voilà. Alors moi, je suis sur le monde 10 ici. Je vais passer sur le monde 2 parce que je pense que j'avais déjà farmé sur le monde 1. Voilà. Et là, je sais pas si vous avez ce bug, mais quand je fais ça, j'ai changé de monde. Et ben voilà, vous voyez, la voiture n'avance pas. Il faut que je m'éloigne. Voilà, on va le reporter au développeur. Faut que je m'éloigne un petit peu. Et logiquement, si je fais ça... Donc savoir que quand j'ai découvert ce petit spot, on va dire, moi j'avais pas de problème de zone contaminée. Je pense qu'ils l'ont rajouté parce que effectivement c'est un bon petit spot. Et ils ont voulu rajouter un peu de difficulté. Donc on va y retourner. Je vais juste vous montrer sur un monde. Hein. On va pas tous les faire, mais vous pouvez faire les 10 mondes. Et à ce moment-là, bah, vous serez full de ce côté-là. Allez, allez, oh, oh, oui, yeah. Non, non, je conduis très très bien. Je suis un très bon conducteur. Alors logiquement, on devrait retrouver un par là. Pas forcément. Hop, ben, on va redescendre. Eh ben, voyez, il y en a un ici. Hop. Et là, on y retourne à pied. Voilà, vous voyez, je suis à 690. Alors, je sais qu'il y a une personne qui s'était posée en bas, mais je pense qu'elle va avoir une mauvaise surprise quand elle va revenir. Parce qu'ils ont rajouté donc la zone contaminée. Ah, vous voyez, il y a des gens qui sont installés sur un... Allez, avance. Je pense qu'il va avoir une bonne surprise quand il va revenir. Il va dire, oh zut, je suis contaminé à vie. Alors il faut se balader. C'est là où j'ai vu qu'il y avait le plus. Hein. Donc, allez, voyez, regardez. Alors lui, par contre, il s'est bien posé. Jolie maison d'ailleurs. Ouh, avec le gros camion, d'accord. Donc avec la recette que je vous ai montrée, on peut monter très rapidement. Voilà, je suis à 800. Donc là, je pense qu'il fait comme tout le monde. Alors, le gravier, on peut le jeter. Hein, c'est pas... Ah, il y en a d'autres là-bas. Donc, il y a 30 minutes hein, pour farmer avec la recette que je vous ai montrée. Voilà, ça, j'avais vu qu'il y en avait un qui s'est installé ici aussi. Logiquement, on devrait en retrouver là. Alors, suivant les mondes, il y en a plus ou moins. Hein. Je sais que sur le monde 10, moi, j'en avais pas mal. Il faut attendre un peu que ça réapparaisse, hein, forcément. Mais ça réapparaît pas tout de suite, d'ailleurs. Et je pense qu'ils ont fait ça sur une des dernières mises à jour, parce que c'était quand même assez difficile de faire ces sources protoplasmiques. Voilà, je vais y arriver. Et là, bah, vous avez tout qu'à fermer. Vous voyez, là, je suis à plus de 1000. Donc, on est bien... Je vais arrêter là, hein, je vais pas aller plus loin. Et puis... donc, voilà. Sur la carte, je le rappelle, alors je vais vous mettre un point, je vais mettre un, voilà, 7,74,99 et 11,64, comme ça, vous pourrez mettre directement vos points de coordonnées, d'accord.
Et puis voilà, on va retourner à la maison. Hop. Et donc vous pouvez faire ça pour tous les mondes, etc. Donc on va revenir. Pas la peine d'insister, vous avez compris comment farmer. Et donc, juste un dernier truc pour obtenir la recette. Donc c'est ici, il faut descendre dans les plats niveau 4 où on aura la fameuse fruit de mer à l'huile en conserve. D'accord? Donc il faut un poisson lune. Alors il n'y a pas que des poissons lune, on peut choisir plusieurs poissons. Les morilles, c'est peut-être le plus compliqué. Moi j'ai acheté des. J'en ai acheté donc. Et on peut en avoir qu'une, mais on peut aussi. Moi j'en ai récupéré. J'en ai récupéré. Je ne sais plus où je les ai récupérés. C'était dans les hauteurs. Ça doit être ici. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est dans les hauteurs. Bah zut alors. C'est pas là. Donc c'est pas là non plus. C'est pas là. C'est. Bah. Si, c'est là. C'est là. Pourquoi il me dit que j'ai pas tout récupéré? Je crois que c'est dans le coin. Alors ça, c'est pas ça. Oh bah zut. En tout cas, c'est dans une des. Si, c'est là. Hein. Et je crois que j'y suis allé parce que j'ai pas. Je suis passé par là. Pourquoi il me dit que j'ai plus rien? Parce que j'avais fait les. J'avais. C'est un niveau 60. Non, c'est pas un niveau 60, c'est un niveau 45. C'est un niveau 45. Donc ça doit être celui-là. Oui, c'est celui-là. Dans celui-là, vous pouvez récupérer aussi. J'en ai récupéré ici sur le point d'extraction de la source 73 dans des caisses. Voilà, donc niveau 45. Et donc, dernier truc, c'est que pour faire ces sources protoplasmiques, il faut absolument du mélange de carburant portatif. Donc vous voyez là, j'en ai 3000. Je suis assez tranquille pour en faire. Et ça, bah, ça se fait, pour ceux qui ne le savent pas, dans les raffineries. Alors c'est très très long. Donc on récupère du pétrole brut. Donc en fait, c'est pour ça que je suis ici. En fait, ici, il y a du pétrole brut. Donc si vous voyez là, on va grossir un peu. Si vous voyez toutes les taches marron là, c'est du pétrole. Et il faut mettre des pompes à eau qui vont vous récupérer. Une seconde. Ici, qui vont vous récupérer des pompes à eau et qui vont récupérer du pétrole brut que l'on met dans les raffineries et qui va vous faire ce mélange. Ou autrement, vous pouvez, surtout dans mon coin, là, j'ai pas mal de, j'ai une route avec pas mal de bagnoles abandonnées. Et c'est pour ça, là où je vous ai emmené, aller prendre les voitures, parce qu'il y en a aussi pas mal, qui vous permet de récupérer ce mélange. Donc voilà. Donc là, j'ai mis 4. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez farmer à fond et vous pouvez faire des sources. Parce que les sources pour les améliorations des armes, quand même, c'est un peu la galère. Sachant que le coin où je vous ai emmené, à part pour la zone contaminée, il n'y a pas d'ennemis. Donc vous n'aurez pas trop de problèmes. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous aura aidé. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser un like ou même vous abonner. Mais bon, sur OneSuman, je fais pas trop de vidéos. C'est juste là, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.